Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau riff de Link Ray, The Rumble. C'est Matt, j'espère que vous allez très bien, je vous montre tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner avant tout ça. C'est parti, je zoome sur la guitare. Alors, pour jouer The Rumble de Link Ray, j'ai décidé de faire ça aujourd'hui en open de Ré. Donc, je vous donne les notes de l'open de Ré. Ré. La. Ré. Fa dièse. La. Et Ré. Voilà, Link Ré va jouer le morceau original en Mi. Et nous, bien sûr, on va le jouer en Ré. C'est pas trop compliqué, il y a juste le petit gimmick à la fin, mais ça, je vous montre tout de suite. On va commencer par la figure rythmique. Moi, ce que je fais, donc c'est en ternaire, je vais jouer le shuffle au pouce. Donc, si on devait compter tous les quatre, tous les temps, on aura 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4. Ce qu'il y a, c'est que dedans, avec le pouce, je vais créer une sorte de petite rythmique un peu pesante ou hypnotique en faisant les 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok ? Donc vraiment, je vous montre de plus près. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sur le 1, je vais gratter beaucoup plus de cordes. Et les 2 et les 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok ? Et je vais garder cette rythmique jusqu'au bout. Donc les accords, on va commencer par un Ré qu'on va slider en Mi. Donc on va partir de la 10e case qu'on va slider jusqu'à la 12e case. Ça, ce sont les deux premiers accords. N'oubliez pas de bien mettre le slide au-dessus de la frette et non au milieu de la case. Voilà. Et bien tenir votre slide bien droit, bien perpendiculaire aux manches, pas le tourner un peu comme ça, sinon vos premières notes vont être justes, mais les notes du fond vont être fausses. Voilà. Donc ça sont nos deux premiers accords. Et ensuite, on va slider ici du Ré jusqu'au Sol qui se trouve à la cinquième case. Donc. On va refaire ensuite le Ré jusqu'au Mi, c'est-à-dire de la 10e à la 12e case. Et ensuite, du Ré, on va passer sur le La. Et ensuite vient le petit gimmick. Mais vous remarquerez que c'est une grid blues totalement classique. Voilà, donc c'est vraiment les trois accords, le premier, le 4 et le 5, donc Ré, Mi, Fa, Sol et le La. Donc on a vraiment les... Voilà, les trois vraiment accords du blues complètement traditionnels. Pour le petit gimmick de fin, donc, qui sera en fait le turnaround, c'est la gamme pentatonique mineure de Ré qu'on va jouer du... du bas vers le haut. En position classique, c'est exactement celle qui fait ça, que vous avez déjà vu, qui en bout de manche, en Mi, ferait... Voilà. Mais je suis en open de Ré, non en accordage standard, donc obligatoirement, ça va pas être ça. Donc je vous montre le petit, peut-être la seule petite difficulté de ce morceau. Donc c'est la gamme pentatonique mineure de Ré
qu'on joue du bas vers le haut. On va partir de la troisième case sur la corde de Ré pour aller à la corde à vide. Ensuite, on va passer ici sur la troisième case de la corde de Si qui est un La pour passer à la troisième case. Ensuite, on va jouer la première case ici sur notre corde de Sol qui est un Fa dièse maintenant vu qu'on est en open de Ré. Et là est la petite difficulté, c'est-à-dire qu'on fait toujours deux notes par corde, mais là on va en faire qu'une seule. Donc. Et on va passer aux troisième case ici de la corde de Ré pour ensuite faire corde à vide. Ah, vous entendez le petit clic 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 qui me dit que je n'ai bientôt plus de chauffage. Donc ensuite la troisième case ici sur ma corde de Sol, enfin qui est à La pardon, corde à vide. Et ensuite, 5, 3, 0. Donc je vais le refaire très lentement. 3, 0, 3, 0, 1, 3, 0, 3, 0, 5, 3, 0. Voilà, maintenant c'est génial parce qu'avec ça, au moins, vous apprenez la gamme pentatonique de Ré. En gros, la première position de la gamme pentatonique en open de Ré. Donc ça, c'est assez chouette et ça va vous ouvrir des portes. Je vous en reparlerai plus tard. Donc, je vous le refais. Une petite parenthèse. Oui, je fais bien la parenthèse. Grâce à ça, vous pouvez faire n'importe quelle rythmique ou gimmick qui vous plaît maintenant, vu que vous connaissez les notes. Ces notes là avec une base de Ré, vous serez toujours tranquille. Voilà, donc le petit gimmick à trouver qui vous prendra peut-être légèrement un peu de temps, ce sera de faire qu'une seule note sur la corde ici de Sol. Ensuite, on finit la gamme, enfin les 12 mesures sur le. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez jouer The Rumble de Link Ray. Voilà, et puis niveau rythmique, vous pouvez la jouer comme vous avez envie. Vous pouvez soit faire des petits ternaires comme je vous ai montré, soit plaquer les accords, le faire beaucoup plus lourd, vous pouvez mettre une grosse fuzz avec une grosse reverb, vous pouvez le jouer en acoustique, enfin, vous pouvez ensuite faire comme vous le souhaitez, c'est le but de ce que j'ai envie de vous expliquer, ça vous le savez maintenant. Voilà, je vais vous demander si vous ne l'avez pas encore fait et si ça vous plaît de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour savoir quand les prochaines vidéos arrivent, en même temps en ce moment c'est pas très compliqué puisque c'est tous les jours. Et voilà, je suis ravi de continuer. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao.